أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, concernant Muraqaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a béni, Imam Arif a fait un extra long introduction. Il finit une introduction environ 20 pages. Et aujourd'hui, ce qu'il y a dans le partie dans l'introduction là, c'est les causes concernant Mariatullah. Mariatullah, qui veut dire ça? Donc, il y a un concept dans l'Aqida qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lit avec sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, sa création est divinée. Ça veut dire, en utilisant mentionné avant, Allah Ta'ala, il connaît tout, il trouve tout, il tient tout. Il y a la capacité, l'eau tout, et les mêmes qui les vous Jésus tout. Maintenant, quand on veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala lit avec sa création. Allah Ta'ala dit dans le Coran, laisse comme il y a chay, non, il n'y a pas ressemblé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, nous, quand nous enseignons, ça veut dire, un quelqu'un avec un autre du monde, nous enseignons qui commence tout ensemble. Ça, concernant la créature. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lit, pour mes affaires, lit séparé net avec sa création. Allah subhanahu wa ta'ala nous redire, Allah ta'ala lit séparé net avec sa création. Et Allah ta'ala lit pas dans le ciel, lit là-haut le ciel, lit l'eau se trouve. Et nous prenons un hadith muslim que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une voile lui-même avec la création, si lit y envoie ça, lit y avance ça, voilà, toute chose qui tu peux avoir, tu peux brûler. Parce qu'il y a un rayon qui va dire qu'il est sorti, qui allait. Donc, ça, une petite chose. C'est là qu'on apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa création. Maintenant, quand on veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons avec un djinn. Déjà, on a fait, quand nous sommes entre nous avec Allah, c'est-à-dire, moi, je suis entre l'insan, entre la terre et pour les ciels, il y a 500 balles de voyage. En tant que les ciels, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a 500 balles de voyage. Ça veut dire qu'on ne peut calculer nous et le premier des ciels. Nous, en termes créatures, nous tout ça bien loin. Nous avons 500 balles de voyage. Ça veut dire que si un djinn, comme le subhanahu wa ta'ala, il y a avec sa création, généralement, qu'il soit les musulmans, qu'il soit les kafirs, etc. Par exemple, à la grande machine de Coran, « Ma yakunu min najwa, thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika, wala akthara, illa huwa ma'akum aina ma kanu. » Donc, à la raison, il n'y a pas aucune conversation en secret qui trois du monde peut faire, excepté qu'à la taille du quatrième. Et il n'y a pas quatre, excepté qu'à la subhanahu wa ta'ala, le cinquième. C'est-à-dire ça, n'importe qui ça n'a. Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient de trouver. Et l'autre chose en compte, c'est qui ben arabe dans le dialogue que je peux causer. C'est-à-dire, chaque pays, il y en a une culture, il y en a une façon, il y en a un dialogue qui lui cause. Ben arabe dans le dialogue que je tiens. Il y a un dialogue qui lui cause pour moi. Hein, que je tiens, je dis comme ça, « Ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana » Nous, tu peux voyager avec la ligne avec nous. Nous, tu peux voyager avec la ligne avec nous. Quand je veux dire la ligne avec nous, ça veut dire la ligne elle va finir descendre là, elle vient coster avec nous. Donc, ça concept que l'on a avec nous. Comprends? Ça veut dire que vous autres, tu comprends qui, dans ce langage courant, dans cette culture, quand je te dis la ligne lit avec nous, ça veut dire qu'il y a une distance entre eux avec la lune. Donc ça, le culture. Maintenant, il y a un autre concept qu'on appelle, ce qu'on appelle Mariatul Khos. Ça veut dire qu'il est classifié en deux. Donc, premier, l'unité générale. Et le deuxième, c'est spécifique. Spécifique était pour Ben Moukmin. Et il peut cause concernant quand Allah Ta'ala il vous descend sur le victoire de Dieu, quand Allah Ta'ala il peut cause Ta'ib, Allah Ta'ala il peut être Dieu. Quand Allah Ta'ala l'ipé préserve Dieu, ou soit quand Allah subhanahu wa ta'ala l'ipé descend sur Rahman, ou bien parfois dans un moment exceptionnel, n'importe qui ben nécessité spécifique, qui sa moukmin là, l'ibizé dans sa lèvre spécifique là, Allah subhanahu wa ta'ala l'ibine, l'ibine comment dire, l'ibine à ce support. Par exemple, dans